Vous voyez, parfois, ce sont les douleurs que nous vivons qui produisent en nous des lois et des lois qu'on bâtit croyant que ce sont des règles qui vont venir nous aider, mais qui sont fondées sur des douleurs. C'est pas fondé sur Dieu. C'est pas fondé sur la vérité. L'amour de Dieu, là, est fondé sur Jésus. Il dit, fondé et enraciné en Christ. Donc, toutes tes résolutions, tes lois que tu as créées, fondées sur la douleur, fondées sur les expériences passées, c'est pas de bonnes lois. Ça va te faire avoir des actions qui ne seront pas de bonnes actions. Ça seront des actions fondée sur la vengeance, sur la douleur. Et une action fondée sur la douleur va produire nos douleurs. Il faut fonder ton cœur dans l'amour de Jésus. Fonde ton amour ou fonde tes réactions et ta bonté dans l'amour de Jésus et tu vas produire de la bonté divine. Et la souffrance des hommes a occasionné dans leur vie des lois, des choses qui finissent par les conduire. Il dit à cause du mal, l'amour va se refroidir. Donc l'amour ne donne plus. Quand on dit quelque chose est froid ou quelque chose est tiède, ça ne donne plus sa pleine mesure. On peut faire un peu de bien et puis beaucoup de mal. On est dans la maison, ah chérie, je t'aime. On fait une semaine de palabre. Chérie, je t'aime, une semaine de palabre. Vous voyez, si l'amour n'est pas régénéré, si votre cœur n'est pas régénéré, je vous assure, vous allez vouloir faire de bonnes choses. Mais ce n'est que de la souffrance qui va sortir. Alléluia.